Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'ai décidé de vous emmener une semaine avec moi pendant ma semaine de partiel. On est déjà mercredi je crois, parce que je sais pas, j'avais la flemme de vlogger mais j'ai fait un petit reels. Je ne sais jamais comment ça se dit donc je vais vous le mettre ici. Là aujourd'hui j'essaie de pas trop taffer parce que demain j'ai des épreuves après de moitié et en fait j'ai très très mal à l'épaule et donc si je continue à faire des exos et tout je suis même pas sûre d'arriver à faire mes examens. T'inquiète, on a prévu le repas, t'inquiète. Du coup les copains, je vous retrouve, on est déjà samedi, j'ai passé... Donc hier j'ai eu 3 épreuves, c'était vachement dur, genre vraiment. J'ai galéré sur certaines épreuves donc j'ai peur d'aller au rattrapage. Et lundi et mardi qui arrivent, j'ai encore genre 3-4 épreuves par jour. Donc là je vais me mettre à taffer, il est déjà 16h, j'ai un peu procrastiné. J'essaie de faire des photos pour Insta, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, je vais bosser. Au niveau des filles, je voulais vous montrer un peu, mais j'en ai fait pas mal sur Canva pour m'aider. La Santa Rico par exemple, et j'essaie d'avoir des designs un peu genre sympa pour que ce soit un minimum intéressant à lire. Alors là, nous allons réaliser des burgers, c'est moi qui cuisine tout comme d'habitude. C'est faux! Millionnaire sur côté, ton cardon. C'est un vlog. C'est un vlog. Bonjour, j'appelle Janel. Non plus. On parle de chef. Une sorcière. Coucou les gars, aujourd'hui je vous retrouve, on est samedi. Ce soir on va à Rouen avec Jules. Je voulais vous faire un petit retour. Je suis tellement fatiguée, ça fait si longtemps, c'est pour ça, je fais ma gueule là. Je ne finis même pas mes phrases, mais j'ai passé mes examens se sont trop mal passés, sincèrement, ça a été vachement dur, c'était en présentiel, et c'était comme si on faisait des examens en distanciel, enfin sur nos ordi, mais en présentiel, c'était vraiment galère, genre je comprenais rien du tout, c'était horrible, j'avais envie de pleurer, voilà, mais je crois que c'est un petit peu le cas à tout le monde, comme d'habitude, je vais avoir des rattrapages. On verra. En vrai, on verra. Au pire, je suis sur l'île. C'est le petit moment où je vais parler des trucs d'école de commerce que personne ne va comprendre. Mais je voulais vous en parler. Donc, en fait, je sais pas si vous aviez suivi. J'en ai quand même pas mal parlé. Donc, je pense que vous avez suivi. J'ai, j'avais listé BDE. Et on avait perdu. Et en fait, après, vu que j'avais perdu, je pouvais postuler à d'autres assos. Pour faire les recrutements, ça s'appelle. Et en fait, il y a une asso. Donc, pour vous expliquer très globalement le système associatif, mais j'ai peur de plus vous envoyer qu'autre chose. Mais dans chaque campus, parce qu'il y a un campus à Lille et un campus à Paris, mon école, il y a des associations. Les plus grosses assos, c'est genre BDE et après BDA, BDS. BDE, Bureau des étudiants. Et après BDA, Bureau des arts. Et BDS, Bureau des sports. Ensuite, ça, il y a une autre asso.
donc je ne sais pas si j'ai le droit de donner les noms, mais qui est propre à chaque campus, donc il y en a deux, donc un sur campus de Lille, un sur campus de Paris, qui on va dire organise tout ça, enfin répartit les budgets, des trucs comme ça au sein du campus de Lille. Et au-dessus de ça, il y a encore une asso qui coordine vraiment tout le système associatif, enfin qui fait plein d'autres trucs aussi, mais qui participe de beaucoup aussi à l'organisation du WAY, enfin qui est vraiment en partenariat avec toutes les autres assos pour que tout se passe bien. Et donc ça s'appelle la Fédération des étudiants, et pareil, c'est tu listes tous les ans. Moi j'avais pas listé ça parce que je listais BDE, et que souvent en fait c'est plus quand t'as déjà fait pas mal d'associatifs, que, enfin c'est plus genre quand t'es un peu plus vieux que tu vas à la Fédé. Et j'ai fait les recrutements pour la com parce que je me suis hésitante, et j'ai été prise, donc c'est assez cool. Je suis assez contente, donc ce qui fait que bah ce sera mon asso l'année pro, donc peut-être que je vous en parlerai. Ça va clairement changer de ouf du BDA, parce que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pour les mêmes choses, enfin c'est toujours dans le système des étudiants, mais c'est quand même pas mal différent. Si vous avez envie que je vous parle un peu plus des assos, n'hésitez pas à me dire. Bref, donc là je vais rentrer parce que j'ai oublié mon chargeur. Hier je suis allée voir bah, justement la Fédé à Paris. Je vais aller chez Jules et Céleste, brancher mon téléphone, et puis après on va prendre le train. Et je vais vous emmener avec moi. Donc je suis vraiment déchaînée aujourd'hui alors que j'ai aucune énergie et je ressemble à un pouf. C'est trop dingue, j'ai l'impression d'être dans le docu de l'homme pâle. Ça s'appelle TikTok. Bon appétit. Bon appétit. Comment on dit déjà bon appétit en français? Bon appétit. Ah! Mais quel connard! C'est donc ça l'amour. Bon, Lila, arrête! Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour les petits bruits derrière. Un petit peu d'eau, genre c'est le chauffage. Pour faire un petit résumé, je suis allée à Rouen avec Jules, j'ai pas trop tenu parce que bah, on était avec ma mif et tout, c'était grave cool. Et ensuite là on est à Paris. Bon, Jules il a eu des galères avec son stage, je ne vais pas m'éparpiller sur ça parce que ça va m'énerver, mais bref. Donc là il est allé déposer des CV et des lettres de motif et tout pour trouver un stage. Moi ce matin j'ai eu un call avec mon maître de stage, et donc voilà, donc je suis quelques jours sur Paris, après je vais rentrer sur Lille. Donc c'était vachement cool. Ce matin on était, enfin ce midi on allait voir M. Vraiment je suis trop contente, genre vraiment là je vis ma meilleure vie parce que moi j'aime trop Paris. Et comme je suis un peu des allers-retours sur l'île Paris, bah c'est trop parfait, c'est parfait pour moi parce que Paris j'aime bien, mais je trouve ça vite oppressant. Donc là on est dans un petit appart qui est trop stylé, c'est chez donc de jeu, je vais vous montrer vite fait. Le bordel, mais en gros là il y a salle de bain, là il y a une petite armoire, et là il y a notre lit. Les toilettes sont dans le couloir, mais bon... ce coup de vie, hein, je suis habituée. Non, en vrai, ça va, c'est chill. Juste, ça me stresse le soir. Donc, je dis à Jules de m'accompagner, le pauvre. Mais bref, en tout cas, c'est assez cool. Là, je vais vraiment faire du montage. Tout à fait, j'ai beaucoup de choses à faire pour la fédé aussi. Et je pense que je vais clôturer ce vlog parce qu'il est un peu parti en couille. C'était de base un study with me. Donc, ça a commencé avec les examens. Puis maintenant, ça se finit avec finalement du taf de mon stage et des assos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que toutes mes futures vidéos vous plairont. J'ai vraiment pas mal d'idées, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je vous fais des gros bisous.